de mon enfant, je suis la belle-mère. Oh. C'est moi la belle-mère. Ah. Donc aujourd'hui là, ça va chauffer. Avec ce billet, confirmer la reconnaissance d'entre que c'est mon sang, ce sont mes œuvres, c'est bon. Hein? Ceci étant, si vous me l'accordez, je vais maintenant demander aux enfants d'amener et de vous faire voir comment je suis venu. Tout à fait. Thank you.
Inya iza me salam
d'argent tout en secours à cette vie. J'ai choisi de laisser l'homme de ma vie. La joie, la joie, la joie. Pour la belle-mère et dans la joie, la joie. Toutes les belles-mères sont dans la joie, la joie. L'événement de ce jour, c'est une joie. C'est une joie parce que quand on envoie sa fille en mariage, tu ne peux que être contente. Quand quelqu'un décide de venir épouser ta fille, tu ne peux que lui dire merci en ce moment. En ce moment où il y a plusieurs épidémies, où il y a plusieurs maladies, donc quand quelqu'un décide de venir te dire que je veux épouser ta fille, il faut lui dire merci. Ben, c'est très bien passé, Dieu merci. Je n'espérais pas mieux que ça d'ailleurs. Donc, je remercie le Seigneur déjà. Et mes parents, ma belle famille, mon chéri, il m'a vraiment honoré aujourd'hui. Je suis trop fière de lui. Voilà, je t'aime chérie. Je suis le nouveau marié à la coutume. Je suis sur la terre de la famille de ma femme. Je remercie déjà ma famille, mes amis, mes collègues de m'avoir accompagné pour cet événement heureux. Je remercie aussi la famille de ma femme. Ce fut une réussite totale. Je remercie l'équipe technique, à l'occurrence Lee, à l'occurrence Bertin. J'ai beaucoup d'émotions au point où je ne sais même pas comment exprimer ma joie. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis aujourd'hui l'homme le plus comblé. Merci à ma femme que j'aime tant. Je l'ai aimée, je l'aime, je l'aimerai toujours. Ça fait 13 ans que mon amour n'a jamais cessé. Je l'aime toujours et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai voulu concrétiser notre amour devant nos familles réunies, devant nos amis respectifs. Chérie, frère, je t'aime beaucoup. Je t'aime énormément. Bisous.